Bon, est-ce que je suis mort ou est-ce que je suis vivant justement après bah, ma petite blessure, mon petit pépin physique? Je crois que la réponse elle est rapide en plus. Mais voilà. Salut, c'est Axel de Wolf Try. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, moi ça va quand même. On va en discuter dans cette vidéo justement. Bah, comme d'habitude en fait, voilà le discours d'un youtubeur classique. N'hésite pas à commenter, liker et à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Je partage mes entraînements de trail running. J'accompagne les débutants justement à découvrir le trail et à s'améliorer dedans. Et surtout, surtout, à prendre du plaisir et à devenir pourquoi pas leur version alpha. Allez, avant, introduction. On se retrouve dans un super paysage juste derrière cette dune, c'est la mer. C'est ça le plaisir d'habiter maintenant en bord de mer, c'est que en l'espace de 15 petites minutes, je peux atteindre la plage, voire moins si j'ai envie de passer par d'autres chemins, je pense, et en mettant un autre rythme. Et justement, alors, si je suis là, c'est que peut-être tout va mieux, en tout cas tout va bien, ça c'est clair et net. Petit tour chez l'ostéo, comme je vous ai dit jeudi dernier, et tout simplement, bon, c'était pas une blessure super grave, c'était surtout une compensation, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des semelles orthopédiques avec lesquelles je m'entraîne, parce que tout simplement j'ai un déséquilibre depuis un petit accident, parce que je faisais du cyclisme sur route, je suis tombé sur la hanche et depuis j'ai un déséquilibre à ce niveau-là, et ce qui fait que j'ai un plus gros appui en fait sur ma jambe gauche, sur mon pied gauche. Et quand j'ai pas ces semelles, sachant que je les ai pelues pendant un mois et demi, puisque je les ai oubliées lors de mon petit séjour à Tours. Il y a des vidéos en plus de ces moments-là quand je suis en train de courir. Donc dans ces moments-là, j'ai mes semelles. Après, je les oublie. Je continue quand même mes entraînements parce que c'est un petit peu dommage de s'arrêter à cause des semelles, même si j'en ai besoin. Mais je me suis dit que ça allait le faire quand même. Et bon, bah, apparemment, je l'ai payé un petit peu cash. Il y a eu cette petite douleur, cette petite électrocution, on va dire, à l'adducteur au moment de coaching au foot, dû à mon métier de préparateur physique dans ce milieu-là. Et l'ostéo a tout déplacé. Il m'a dit que voilà, je compensais sur mon adducteur, sur le bas du dos, etc. Et voilà, donc c'est normal, c'est un effet de compensation comme on peut tous avoir. Notre corps essaye de trouver des solutions justement pour encaisser la charge d'entraînement qu'on peut donner des fois. Donc c'est pour ça qu'il faut écouter son corps et faire attention, ce que je n'ai pas fait. Hein. Donc, encore une fois, j'apprends. Hein, même si jusque-là je faisais attention, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une blessure, une douleur aussi vive en tout cas, parce qu'on peut pas vraiment parler de grosses blessures. Mais en tout cas, ça c'est fait, j'ai eu 48 heures, 72 heures où j'ai pas fait grand-chose. J'ai repris par du renforcement musculaire en isométrie, donc c'est-à-dire du gainage, des phases arrêtées en fait, chaise, etc. Et là, j'ai fait sortie vélo avant-hier, voilà, un peu de gainage encore hier. Et aujourd'hui, bah, ma première sortie footing, où là je viens de courir 15 minutes, là je m'arrête, je vais faire un peu de mobilité, et après je repars tranquillement, donc là c'est un rythme, vraiment on est sur 6,30 le kilomètre, donc là on est vraiment sur une allure très tranquille, j'ai le capteur cardiaque sur la poitrine, parce que la montre est en train de charger en plus, donc voilà, tout va mieux pour Wolf Trail. Chanceux ou pas, en tout cas voilà, je vais rétablir mes objectifs selon ma forme après cette semaine et on en discutera justement ensemble, on discutera justement aussi du capteur cardiaque, est-ce que c'est vraiment utile, quelles données on peut en tirer, ce genre de choses, est-ce qu'une montre suffit, une montre, quelles données on peut en tirer, quelle est la fiabilité d'une montre, etc, etc. On parlera de l'application que j'utilise aussi pour mes sorties running, pour savoir quel parcours faire. Là, je le fais en mode aléatoire comme beaucoup de personnes. Quand on découvre, après, on a notre circuit à nous. Mais c'est vrai que des fois, on cherche un petit peu à combien de kilomètres ça va me faire, si j'ai envie de faire plus, jusqu'où je vais. Et il y a une application qui peut vous aider justement à obtenir ça. Bon, allez, ça fait déjà presque 4 minutes que je discute. Donc, moi, je vous laisse là. C'était une petite vidéo courte pour pas trop que je refroidisse non plus. Là, je marche justement pour rester un petit peu actif. Mais ça va pas suffire dans quelques temps. Déjà que là, c'est un peu tendu. Donc, moi, je vous laisse là. Devenez votre version alpha comme d'habitude. Et n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos sur la chaîne Wolf Trail.
Ciao la meute.